après une semaine de la date estimée de leur arrivée. C'est pas plus simple. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore comme petit bouton? Je vais vous le dire. Mince, j'ai parlé de quoi? Contagion est très difficile à évaluer d'une personne à une autre. Par contre, ce qui est mieux d'évaluer... C'est bien dit ça. Par contre, ce qui est... Ah, une alimentation qui... Enfin... On peut aussi avoir des tout petits et des... On peut aussi avoir des enfants, des bébés... Ça ne veut pas... Donc c'est là, Paul, où je vais galérer en fait carrément pour l'ouvrir parce que je voulais montrer. Et putain, puis il fait chaud, j'ai les mains qui suent. Je reviens. Attendez. Oh, ça chauffe pas comme ça. Oh merde. Voilà. 20 à 25 UI par litre. Oui. Et là, on presse, et j'insiste bien, pendant 10, pendant 10 minutes. Et on appuie, franchement, on appuie. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres causes à un retard de règles? Eh bien oui, et pas qu'un. Donc on fractionne des plus petites quantités, mais plus souvent dans la journée. En cure quand même assez longue, hein, si vous tenez le coup, vraiment, vous... Bref, on a compris. Ils vont plutôt apaiser les inconforts... Ils vont apaiser les inconforts... Au test, comme ça, son nom indique, on les fait tout seul. Ah, n'importe quoi ça. Mais tous ces symptômes sont très généraux et peuvent également évoquer autre chose. Et... Il existe un traitement, tout n'est pas perdu. Il existe donc le flux vermal, qui est donc du flumandazole, qui est donc c'est un quoi ça? Un antivers? Ne les utilisez pas. À très bientôt. Non, ne les utilisez pas. Si vous avez une question... Oh, ça, je ne l'ai pas dit la fois dernière. Et enfin, sachez que si votre grain de beauté saigne, si je dis toujours si, moi. Je dis toujours si. Bon, ça, on laisse tomber. Laisse tomber, ça, on fait pas. La trolamine... La trolamine. Et enfin, cinquième conseil. Ou pratiquer des sports pieds nus. Voilà. Au revoir. N'hésitez pas à nous poser vos questions en vous connectant sur lasanté.net. Non, vous savez peut-être pas le dire ça, je sais plus. On dit encore, on dit quoi? Non, j'ai pas fini. De toute façon, il faut que je rajoute des choses. Donc, pour soulager... Oh, ouais, bref, il faudra essayer d'intercaler ça au moment où je parle des étirements de muscles. Je sais pas trop comment on va faire. Bon courage. Dans tous les cas, il est nécessaire de consulter votre médecin dès la suspicion d'une... Enfin, la suspicion. De toute façon, on a mal, hein. Vous avez deux embouts. Le premier, celui-ci. Je vais me perroquer, peut-être. Enfin, peu importe. Celui-ci. Et maintenant. Il y a aussi des petits boutons. Qu'est-ce que je voulais dire? J'en sais rien, moi, qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Ce n'est pas grave. Si depuis l'enfance, c'est comme ça et que ça ne bouge pas, entre guillemets, tout va bien. Ils peuvent vraiment perturber votre trouble. Oh là là. Localisé au niveau de la zone T, donc menton, nez, non. Et puis c'est tout. Pour retrouver. Encore une fois, rien de grave. Le bronzage, eh ben, c'est pas grave. C'est de... Bah non, le bronzage, c'est pas grave. Bah non, ça on évite de lire. Bref. Non, j'ai des conneries. Si vous avez quoi? Et puis 8 jours après, pardon pour ça. Cette HCG, elle est libérée dans le
Elle est libérée, t'es libérée. Le papillomavirus, le virus qui est responsable de la virus plantaire. Les tests précoces détectent cette HCG. Elle fait quoi? Bah, elle est super, la prise de sang. Qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer d'éviter ça? Eh bien, éviter de séjourner dans une zone très... Non. Non, non. On préconise très souvent le matin. Non. Non, non, non. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en me connectant à la santé. N'hésitez pas, bon, éventuellement. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en vous connectant sur le site lasanté.net. À bientôt, bye bye.